BFM Business et 01 TV présente Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel. Le retour de Tech & Co donc sur BFM Business. Chaque soir, on est en direct, vous le savez, 20h, 22h, avant de célébrer le succès d'une belle boîte qui s'appelle Unifor et qui vient de lever 400 millions avec Stéphane Berthier, son CFO, qui est avec nous sur le plateau. J'accueille Bertin Berchmann. Bonsoir Bertin. Bonsoir. Vous êtes le fondateur d'Air France virtuel. Tout à fait. Oui, parce que vous n'êtes pas le fondateur d'Air France tout court. Oui, pas encore. Mais cela dit, le fondateur de Air France virtuel, c'est très intéressant parce que, eh bien voilà, c'est un petit Air France virtuel qui existe. Et peut-être ne le saviez-vous pas, mais ça existe depuis pas mal d'années. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est Air France virtuel, Bertin ? Bien sûr. Alors, merci de me recevoir, tout d'abord. On est ravis. Air France Virtuelle est née d'une frustration, tout simplement, parce que moi, j'ai rêvé d'être pilote de ligne pour notre compagnie nationale, ouais. Air France. Et la vie, on l'a décidé autrement. Je me suis retrouvé derrière mes écrans. J'ai découvert Flight Simulator, hein, que je jouais. C'est un simulateur de vol, tout simplement. Mais ça me manquait d'immersion. J'avais pas de but, j'avais pas de mission. Et du coup, je me suis retrouvé un jour, lors d'un vol commercial, dans le cockpit. On a fait l'atterrissage, j'ai eu l'occasion de faire l'atterrissage avec les pilotes. Et du coup, cette immersion, les sensations, les vibrations, les discussions avec le contrôleur aérien et l'équipage, j'ai voulu l'emmener sur mon simulateur. Rajouter du réalisme, en fait. Absolument. À la simulation de Flight Simulator. C'est ça, absolument. Mmh. Et du coup, j'ai commencé à chercher la notion de compagnie aérienne virtuelle. Et à ma plus grande surprise, il n'y avait aucune compagnie aérienne virtuelle qui représentait notre compagnie nationale, Air France. Bah, du coup, j'ai pris ma plus belle plume, j'ai écrit un courrier à Air France, j'ai envoyé, et il a fallu 2 mois pour, c'était le 26 mars 2011, où on a ouvert airfrancevirtuelle.com, qui aujourd'hui est la plus grande compagnie aérienne virtuelle francophone au monde, et le top 3 mondial, avec plus de 2100 pilotes qui viennent des quatre coins du globe. Alors, c'est incroyable. Quel rapport vous avez avec Air France? J'imagine qu'ils suivent quand même bienveillance tout ce que vous faites. Absolument. Aujourd'hui, on est suivi par le cabinet qui gère la marque d'Air France. Mmh. Donc c'est sous certaines conditions et restrictions, comme l'usage du logo par exemple. On a quand même des restrictions qui sont imposées. Et avec on est suivi régulièrement par le cabinet qui gère la marque d'Air France. Alors ce qui est intéressant, c'est que voilà, il y a tout un recrutement. Vous recrutez des pilotes, etc. Oui. Virtuels. Oui. Il faut quand même savoir atterrir un Airbus A320 sur une piste de Flight Simulator. Tout à fait. Voilà. Mais à partir de là, comment ça se passe en fait? Comment je peux intégrer la team d'Air France virtuelle? C'est simple. En fait, aujourd'hui, on ne peut pas devenir pilote de ligne. Nous, on veut mettre de l'immersion, du réalisme. Donc, il est impossible aujourd'hui d'être pilote de ligne pour n'importe quelle compagnie en cliquant sur un formulaire. Non. Donc, QCM d'entrée. Avec 40 questions, vous devez répondre. Il va y avoir des questions PPL, ATPL, donc des connaissances, des notions en aéronautique. Parce qu'on vous confie des appareils, hein, même bien que ce soit virtuel, on ajoute du réalisme. Donc si vous atterrissez mal, si vous nous éclatez un pneu, il va y avoir des conséquences financières, il va y avoir des conséquences sur l'image de la compagnie. Donc il y a carrément un métavers Air France qui existe, quoi. Il y a un second monde Air France avec tous ces pilotes virtuels. Bah, vous utilisez le mot métavers, je me suis rendu compte qu'en fait ça fait 11 ans qu'on est déjà dedans. Oui, bien sûr, tout à c'est fait. Ça. Tout à fait. Et en fait, en tant que pilote de ligne chez Air France Virtuelle, vous avez, pour chaque vol que vous effectuez, donc vos vols sont scrutés, en fait il y a une boîte noire qu'on appelle un tracker qui va analyser en temps réel tout le vol, hein, l'ensemble du vol, qui va remonter les données. Les données sont analysées par des officiers sécurité des vols. Si vous commettez des erreurs, vous devez soumettre un ASR, un Air Safety Report, comme on le dit dans le jargon aéronautique. Donc c'est un rapport qui doit mentionner les problématiques, les anomalies que vous avez rencontrées en vol. D'accord. Si vous le faites pas, vous pouvez être mis à pied, votre carrière de pilote de ligne virtuelle peut être même empêchée, et vous pouvez pas gravir tous les échelons. Parce que voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut gravir les échelons. Absolument. Vous commencez... Si on est un bon pilote sur Air France virtuelle, oui. On peut devenir après... Vous commencez en tant que... C'est quoi le Graal, en fait, d'un pilote Air France Alors, vous commencez en tant que... J'allais dire la 380, mais bon, c'est un peu... La 380 fait partie maintenant de la flotte vintage, de la flotte... historique, parce que Air France a sorti toute sa flotte à 380. Et à ce niveau-là, hein, je tiens à préciser qu'on se calque réellement avec
l'ensemble de l'actualité et de la stratégie d'Air France. Absolument. C'est par exemple, on vient de mettre en place des vols de rapatriement pour l'Ukraine, pour rapatrier nos confrères de l'Ukraine. Voilà. Donc on va vraiment suivre l'actualité. Il y a plus de 80 000 lignes sur lesquelles on peut naviguer. Et chaque vol, comme je vous le disais, apporte de l'argent virtuel. Et nos pilotes peuvent les dépenser, peuvent acheter une maison, une voiture, des accessoires. C'est la vie que j'ai tant rêvé, que j'ai répliqué sur Air France Virtuelle. C'est génial. Et ça fait 11 ans que ça existe. Oui. C'est fou, ça. C'est fou. Mais alors, comment y joue-t-on? Il faut Flight Simulator. Comment ça fonctionne, en fait? Alors, comment ça fonctionne? Comment rajoutez-vous toutes ces données supplémentaires de réalisme? Comment ça se plug, en fait, avec le logiciel? Alors, comme je vous le disais, donc, il y a plusieurs conditions. Il faut avoir au moins 16 ans. Il faut passer l'examen de recrutement. Oui. Il faut posséder un jeu de Flight Simulator. Donc Flight Simulator 2020, X-Plane, P3D, donc voilà, c'est vraiment les plus gros sur le terrain. Et vous devez installer un tracker, donc une boîte noire, qui va interfacer en temps réel toutes les données de votre simulateur, qui va récolter ces données, nous l'envoyer en temps réel sur notre site, hein, sur notre plateforme. D'accord. Et du coup, on va pouvoir analyser toutes ces données. C'est ce qui va nous permettre de suivre l'évolution de votre carrière depuis le 2000. Mais cette boîte noire, c'est quelque chose de virtuel aussi? C'est un software qu'on installe en fait sur le PC. Sur le PC. Tout à fait. Qui est un plugin en quelque sorte qui va se greffer au logiciel de simulation de vol. Absolument. D'accord. Voilà. Ce plugin, par-dessus ce plugin, c'est toutes les fonctionnalités qu'on rajoute sur notre plateforme avec cette immersion. Il y a 20 personnes qui bossent, qui sont bénévoles, qui bossent pour Air France Virtuelle. Et c'est tous ces services qu'on vient calquer avec la réalité qui apporte toute cette immersion sur Air France Virtuelle. Est-ce que vous avez des vrais pilotes d'Air France qui jouent? Absolument. Alors, on n'a pas toutes les données, mais on a des vrais pilotes de ligne. Et par ailleurs, on a recruté, pas plus tard que la semaine dernière, un pilote de ligne, parce qu'on a également un pôle Flight Academy. Aujourd'hui, Air France Virtuelle est même ATO. Ça veut dire qu'on est un centre de formation agréé par VATSIM, qui est l'un des plus grandes organisations de l'aviation virtuelle. Et donc, on a tout un pôle où on est aussi dans l'éducation, on va dire, la formation des futurs pilotes et de nos pilotes virtuels. D'accord, c'est impressionnant, ça doit susciter des vocations, non? Absolument. Vous avez 10 ans, aujourd'hui, on peut imaginer qu'un ado qui a commencé, peut-être a poursuivi un cursus pour devenir pilote plus tard, non? Absolument, et c'est pas moi qui le dis, hein. C'est même lors de mon interview avec un pilote des lignes qui dit que aujourd'hui, avec une plateforme comme Air France Virtuelle, on peut très bien s'exercer avant d'aller à un examen ou une préparation de qualification technique avec une plateforme, avec l'immersion qu'on peut apporter. Donc forcément, là, de toute façon, 70% des pilotes passent par la simulation avant de piloter des réels avions. Et ils ont des obligations aussi régulièrement de remonter dans des simulateurs. Alors, absolument. Ils sont beaucoup plus perfectionnés, bien sûr, hein, puisque là, ils sont sur vérin, on a absolument. Des etc. Et ça coûte bonbon pour les compagnies. Ça coûte très très cher, d'ailleurs. Mais c'est des qualifications, comme on dit, hein, pour passer soit un nouvel avion, soit pour être tout simplement up-to-date avec les derniers logiciels, etc. Absolument. Eh bien, merci beaucoup, Bertin Berchmann, ça donne envie d'aller sur Air France Virtuelle. Avec grand plaisir. Bon, le problème, c'est que j'ai du mal à faire atterrir un avion. Souvent, je me crache. Bah écoutez... Il va falloir que je progresse un peu. On peut vous former. Merci beaucoup, Bertin. Merci à vous.